Ça c'est fait, on a fini dans ce coin, logiquement. C'est pas dit en fait, j'ai peut-être pas noté certaines racines. Déjà, il y en a une ici. Hop là. Oh, c'est trop loin. À tous les coups, il est de l'autre côté. Il va falloir traverser, quoi. On va bien s'amuser, hein. Ça tombe à pic, ça. Ah bah c'est bon. C'est tip top, ça. On active. Oh, peut-être pas avec ça. Ça va ramer sec. Je sais pas s'il y a une limite, mais... Ah, c'est bon. La coiffe des esprits est trop classe. Bah oui, tu la vois dans... Enfin, chez Kilton. C'est pour ça que je la veux. Je viens de voir qu'il y a un ventilo juste devant là. Je viens de me faire chier à faire une putain de plateforme. Alors que j'aurais pu peut-être partir avec... Bon, j'aurais peut-être fini dans la lave, je dis pas, mais... J'aurais pu essayer au moins. Oula, ça bouge un peu quand même. Oh, c'était ça que je craignais. On va voir si ça monte. Bon. Pas terrible comme titre d'autobiographie, trop long pour pas grand chose. Comme je l'ai dit, pas grand chose. On n'aime pas ça. Il est pas beau. Et 220, pas mal. Est-ce que je finis la caverne? Évidemment, le pont n'est plus là. C'était trop facile, sinon.
Mais peut-être que je peux traverser. Oula. Si j'arrive à balancer tout de suite le machin, oui, mais sinon. Bon, j'essaye. Hein. Ici, c'est bon. Ah, mais attends, il y a l'autre bandit là. Ouais, d'accord, ça va en ligne droite. Merveilleux. T'es rechargé ton pouvoir? Let's go. On a 122, pas mal. Ouais, je vais essayer de trouver quand même la bestiole ici. A mon avis, elle est de l'autre côté, là où j'ai laissé des rochers. Donc ce devrait être assez rapide. Il y a un truc qui fume là. Il est là, le petit coquin. Vous le voyez, le cristal qui tombe dans la lave, là? Non, ça va. Bande de médisants personnages. Trop loin. Sinon, c'est sûr, j'y serais allé. C'est sûr. Je suis sûr que c'est pour une quête en plus. Oh, j'étais persuadé que ça allait être derrière la cascade. Mais c'est pas encore impossible en fait. C'est dans une grotte, semblerait-il. De toute façon, j'ai rien acheté en armure à part celle dans le fort de Guet. Ah mais d'accord, c'est dans le village. Mais je voulais pas y aller maintenant. Mais en plus, comment je vais l'amener là-bas? Bah, un truc volant en fait. Hein. Je vais pas leur parler. Ah, le chantier, le fameux. Oh. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et tu vas voir, mon pote. Oh, j'en ai pas mal de ça. Des grands orbes. Mission ça. Ouais. Oh, des turbines, c'est ce qu'il me faut. C'est la meilleure machine à sous, je crois. À sous, carrément. Il y a des trucs sympas, effectivement. Un peu trop, d'ailleurs. Moi, faut que je retourne dans le ciel, là où il y en a très peu, avec que des turbines... Enfin, avec des turbines et très peu d'autres trucs. Ah, mais je m'attendais à un wagon, mais pas du tout, en fait. C'est sympa, ça. Est-ce qu'il va me laisser partir? Est-ce qu'il a le choix? Par contre, ça a du mal à avancer, hein. Je vais lui donner un petit coup de pouce, hein.
Évidemment, ça pouvait que mal se passer, cette histoire. Oh, l'autre, il a cassé le monorail. Ah, toi aussi. Ouais, en fait, faut mettre une sécurité pour pas que ça sorte du rail. Comment ça, c'est payant? Il rêve, lui, ou quoi? Mais attends, je sais même plus. Ah oui, d'accord, c'est là-bas. Mais attends, pour l'embarquer, ça, ça va être coton, hein. Bref. En tout cas, il y a l'air d'avoir des trucs à faire ici. C'est pas ici qu'on peut avoir une baraque? Oh, je m'attendais à ce que ça sonne. C'est nul. Je viens vendre. Ah non, je voulais acheter. C'est vrai qu'il faut se servir pour acheter. 40. C'est cher, mon gars. C'est quoi ça? Extrait de monstre. Et toi, tu fais quoi? Ah d'accord, en fait il sépare les trucs sans qu'on perde l'ingrédient. C'est pas mal. Potentiellement. Et normalement quand on démonte un truc, ben on perd ce qu'on avait mis dessus. Bonjour. Ça gargouille déjà? Alors si je me bats avec le cristal, est-ce qu'il va m'arrêter? Bah oui. Attends, il veut me vendre le cristal, mais il est sérieux, lui? Ah, vas-y, sale voleur, là. T'es à 60 heures de jeu, c'est que maintenant que tu découvres ça? De quoi? Je sais même pas de quoi tu parles. Voilà, un peu plus de power. Oula, par contre... C'est un peu la merde là, parce que je vais taper le mur, sauf si j'arrive à la placer correctement. Si j'arrive à la sortir déjà. Ouais, c'est un peu ce que je craignais. J'espère que ça va pas taper le truc. Taper. C'est bon. Ouais, je les utilise. Oula, il va aller, il va glisser. Putain, vite, 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 vite. Bon. Je les utilise pas assez, ces ramponneaux, tout ça, mais en fait, c'est hyper utile pour garder un véhicule quelconque tout droit, en fait.
Cool. Ça, t'es content quand tu trouves un diamant dans des coffres comme ça. Alors celui-là c'est fait. On avait dit celui-là éventuellement. Alors, est-ce qu'il est dans une caverne? Toi aussi? Bon bah on peut dupliquer mec. Ouf! Génial. J'ai failli me manger la paroi là. Je crois que je suis en 1.1 encore. Retour arrière. Mais arrête de te jeter dans le vide comme ça par pitié. J'adore. Attends. Ouais. En fait, j'aurais pu l'attraper tout bêtement, non? Ah, je peux pas à cause du fait que mon perso il tombe un peu. Ah mais non, en fait faut la faire sauter là-haut. Je me prends la tête là. Bon ça j'ai réussi. Ok, le coffre j'ai capté comme un fait. Wow wow, stop. C'est bon. Flèche explose, mec. Tu vas pas commencer, là. Ah non. Je crois qu'en fait, je vais devoir, mec. Tiens, le coffre, c'est comme ça qu'on le fait descendre, mec. Quand je pense que toi, t'as galéré. Ça va en fait. Si je me la pète parce que je sais pas comment j'ai fait. Alors... Il a paumé le coffre, non? Bah je l'ai déjà ouvert en fait. T'avais pas vu, c'est normal, je suis trop furtif. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre par ici? Oh, je crois que ça c'est ceux que j'ai pas trouvé parce qu'il fallait des cavernes, j'en sais trop rien. Me tromperais-je? Pourquoi j'ai mis une une épée ici? Il y a de la bagarre ici? Il y a celui-là, mais celui-là, je sais pas s'il a découvert. Je
pense qu'il a découvert. J'étais pas venu ici. Il a l'air un peu différent celui-là, non? Ah, il a un coffre sur le dos. Je voulais l'ouvrir. Il a pas l'air d'accord. Voilà. Avec ça, tiens. Voilà, faut pas que mon coffre tombe. Hein. Sécurisons le coffre. Ah, le coquin. Ça a l'air d'être une grotte assez impressionnante, encore une fois. Tiens, il y a même un passage au-dessus. On verra après. Non, c'est celui-là qui sonne, je pense. Hein. Il pleut dans la grotte. Non, c'est juste des gouttes d'humidité, mec. Oh non, c'est nul, ça. Nous, on veut des trucs qui sont... Tiens, il y a l'autre bestiole, là-haut, là. On veut des trucs qui sont bien. Ça m'a l'air un peu haut, ça. Sauf si je mets une plaque, peut-être. Est-ce qu'il y a une plaque quelque part? Ou alors là. Peut-être que je peux d'ici. Je peux peut-être, oui, si, si. Évidemment. Oh, vas-y. Vas-y, accroche-toi, mon pote. Pas assez loin. Vas-y, vas-y, vas-y. Bien joué. Ah, sauf que. Voilà. Ouh, ça va m'énerver, ça, je le sens. Ah bah tiens. Est-ce que. Non, je croyais. Ça fait partie du décor. Il n'y a rien pour se mettre à... Eh, tu sais quoi? On va perdre de temps. En espérant que ça passe. Ça, c'est moins sûr. Surtout en montée comme ça. Non, je peux pas. Bien sûr, je peux. Mais essayons. Oh, trop. Il
Ouais. C'est bizarre qu'il n'y ait rien ici quand même. Ah si, il y a l'autre bestiole, mais... C'est un peu grand juste pour une bestiole. Celui-là, c'est bon. Faut qu'on se trace, il va y avoir du tonnerre. Ça se trouve c'était vraiment celui-ci que je cherchais l'autre fois. Mais... Non, c'est pas possible. Il y en a un qui me disait qu'il était en souterrain, donc c'est pas celui-là. Les ponts reliés. Ça, j'aime pas trop. Parce que je trouve qu'ils se fixent mal. Ouais, ça fait bizarre. Bon là on est même pas obligé de les fixer hein. C'est même pas ça. En fait, limite, ils auraient dû désactiver des pouvoirs dans certains sanctuaires parce que on peut tellement bypasser le machin que on suit pas la mécanique, quoi. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait qu'on aime bien le fait de pouvoir le gérer différemment. Là, concrètement, je pense les deux tiers des sanctuaires, on peut les passer juste avec ce pouvoir. Hein. Bonne nuit, Mikami. Attends, j'ai pas capté là. Ça faut le faire passer au-dessus. Ah si, j'ai capté. Et avec le poids, je pense. Le poids du cube. Pour que ça tienne. C'est ça. Je pense que c'est ça. Oh merci. Je vais prendre le bon endroit. On va faire ça. Fear Effect, ouais, c'était génial ce jeu. Attends, Fear Effect... Non, Fear tout court, non? Ah non, je vois pas ce que c'est Fear Effect. Je confonds avec Fear tout court. Mince. Je suis un peu mal placé, semblerait-il.
Ah, je me souviens de Fear Effect. Pourtant, le titre me dit quelque chose, mais... C'est un Resident Evil-like, en animé. Ah, il est là, le... Oula! Attends. Ok, on accroche quoi là-dessus? Bon, on va pas se prendre la tête encore une fois. On va faire ça. Bon, en fait, ça suffit. Complètement. Est-ce que c'était le seul? Oui. Si on pouvait en faire deux autres, ce serait tip top. 125, ça me plairait bien. Le problème, c'est que là, il en reste plus trop sur la carte. Il y a celui-là que je peux peut-être trouver parce que je crois que c'est avec cette caverne-là. Bon, on va essayer vite fait. Après, je pense qu'il me faudrait encore... deux petits lives ou un gros live pour faire les 25 autres. Je pense plutôt deux lives. Hein. Parce que y a de la recherche à faire. Notamment dans le ciel. En gros, après, un autre pour le village des Caraïbes et peut-être un autre truc intéressant. Et puis, direction la fin. Grosso modo, 4 lives, quoi. Et demain, ouais, je pense qu'on va se faire une petite découverte pour changer un peu. Ah bah là, il y a la caverne. En fait, c'est bien parce que la grotte est facilement repérable grâce au rocher qu'il y a juste là. Je sais pas si on a tout le temps des comme ça. J'ai jamais fait gaffe, en fait. Si à l'entrée des grottes, il y avait toujours des rochers à péter. Bon, les Nox, ils sont repérables de très loin. Mais il y en a peut-être des autres pour d'autres cavernes. C'est mieux pour préserver les armes, ça. Lire le journal tout corné. J'ai entendu à propos de cette grotte une légende évoquant la civilisation Sonao qui existait en des temps ancestraux. Lance depuis le piédestal un javelot Sonao ailé à travers l'anneau scintillant. La lumière purificatrice se révélera à toi. Me fiant la légende, j'ai lancé maintes et maintes fois le javelot sans jamais réussir à l'envoyer dans l'anneau. Ailé. Donc il faut mettre un truc au bout, genre ben, un planeur peut-être. Hein. Ou alors, vu qu'il y avait des... Ok, nice. Des chauves-souris. C'est peut-être carrément autre chose. On va poser quoi? Soit parce que je m'en fiche. Soit c'est chauves-souris, soit je sais pas. Moi je pense aile de chauves-souris. Parce qu'il y en avait dans la caverne. On verra bien, normalement c'est censé filer droit. Presque, mais je crois que c'est ça. Parce que normalement ça va pas aussi loin.
Attends, je l'ai pas accroché? C'est juste que ça s'est décroché. Parfait. Je sais, c'est l'heure. L'horloge. Bon, est-ce qu'il y a l'animal dans le coin, sinon je m'arrache. Loupé. Ah, il a réussi à me choper. Il fait que dalle, mais... Voilà le bestiau. Alors ça c'est fait. Il y en a un autre ici. Mais ça il doit y avoir une caverne. Oh, la caverne est peut-être là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a celui-là, mais ça c'est celui du gang des Yiga, ça va être un petit peu long à faire, je pense. Il y a celui-là éventuellement. Je crois qu'il est visible celui-là. On va faire celui-là. Pierre Effect a révolutionné le jeu vidéo en supprimant les temps de chargement sur PSX. Ah. Effectivement, sur PSX, c'était une horreur. On finira sur ce 125e sanctuaire, c'est très bien. On aurait fait finalement pas si mal que ça ce soir. Je crois que j'étais à 112. Oh, ça fait 13. J'avais dit une dizaine, ce serait bien. D'ailleurs, parmi l'historique. C'est marrant parce qu'il y a le cristal. Est-ce que je peux réinvoquer le cristal? Ouais, j'aurais pas. Ça s'arrête à 30. Je voulais reprendre le petit véhicule que j'avais fait tout à l'heure. Ici, c'est assez plat tout ça. Ça devrait filer droit et en plus... Il n'y a pas quoi que ce soit qui va venir gêner le poids. Oh, remarque, vu à quel point c'est loin, je peux me le faire. C'était avec ça. Il y avait quoi d'autre? Ça.
Ce truc là. Je pourrais pas l'avoir le sanctuaire? Ah non, j'avais pas vu le message juste avant. C'est quoi, 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 quoi. Ah, peut-être que je le mets droit parce que je disais ouais. J'espère que ça va aller. C'est difficile à conduire quand même. En fait, il y a un petit temps de latence. Temps de latence qui fait que c'est un peu difficile. Mais avec un petit moment de maîtrise, je pense que il y a moyen, ou alors faut rajouter un autre truc, mais du coup ça devient plus coûteux, c'est dommage. La pierre que tu ne pourras pas avoir si tu te sers de duplication. Ouais. Le chemin du retour. Vu le titre. Bon là, on n'a pas franchement besoin de la torche. Franchement, celui qui arrive à ce sanctuaire n'a pas ce qu'il faut pour allumer les torches. Il y a un gros problème. Mais sinon, comment ça se faisait? Ouais, en fait, on se laisse amener via la plateforme. Et puis on utilise ça pour revenir en arrière. Mais attends, il y a peut-être le coffre là-bas par contre. Ah oui, donc on va aller le chercher. Évidemment, on va remplacer avec ça. Et on a tous les coffres. C'est un arnaque cette histoire. Ok, j'ai compris. Je vais pouvoir le viser d'ici. Ou alors faut que je le fasse à l'avance. On va voir. Ah oui, on peut viser de super loin. Pas mal ça. Vraiment pas mal, je trouve.
Et 225. Ouais, on s'approche tout doucement de la complétion des sanctuaires. Qui, je crois, donc, est de 150. Hein. J'en ai pas la certitude, donc je regarderai avant le prochain live sur Zelda. Qui sera, a priori, après-demain, mesdames et messieurs. On s'arrête là pour ce soir. Demain, je vous fais une petite découverte, King's Blood. Puisqu'une clé m'a été offerte par les trois développeurs du jeu. Un petit jeu, semblerait-il, indépendant. Hein. Type RPG Strat. Qui a l'air sympa sur le papier. J'ai vu un petit peu, graphiquement, ça casse pas des briques. Mais ça a l'air d'être un jeu assez complet. Puis les mecs, ils ont l'air de faire une grosse campagne de distribution de clés. Bah, justement pour que le jeu se fasse connaître. Donc je sais pas pour le moment si ça a vraiment marché. Mais voilà, je leur ai dit que bah oui, volontiers, j'allais faire une petite présentation du jeu. Après tout, ils m'ont envoyé la clé sans même me demander quoi que ce soit. Ils ont juste dit que ce serait susceptible de plaire à des gens qui regardent la chaîne vu que je fais Tactics Ogre Reborn. Donc on verra. En tous les cas, c'est demain soir, 19h30. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, tout ça, tout ça. Allez, ciao. Bye bye.